Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'ai trouvé très original. Donc c'est plus une astuce qu'un cours, mais j'ai trouvé que ça valait le coup d'être partagé. Donc dans votre barre de recherche Google, il vous suffit de taper ceci, donc ambient mixer, et de cliquer sur le premier lien. Donc vous l'aurez compris, c'est un rapport direct avec l'ambiance ainsi que la musique. Donc l'originalité réside dans le fait que nous disposons sur ce site de beaucoup d'un grand choix de d'ambiance. Donc on peut très bien se retrouver sur un bateau en pleine mer, dans la forêt en automne, dans une grande ville, notamment New York, sous la pluie, etc., etc. Donc, je vais tout de suite vous en montrer un. En tout cas, voir comment c'est fait. Donc, on va prendre celui-là, par exemple. Donc, vous patientez, voilà, quelques secondes le temps qu'il charge la banque de sons. Et vous accédez à ceci. Donc, le son, là, vous ne l'entendez pas, mais on a bien un son de mer. En tout cas, étant présent sur un bateau. Donc on a le bruit des vagues, le vent, etc., etc. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut baisser donc les différents sons. Donc là, on a la stéréo, donc on peut choisir gauche, droite ou milieu. On peut activer, désactiver. Choisir, par exemple, là, on a des battements de cœur. On peut choisir la fréquence des battements de cœur. Par exemple, là, il y en a 24 par minute. On peut les enlever, on peut baisser le son, etc., etc. Donc voilà, donc après c'est à vous de voir et de toucher un peu à tout et voir ce qui vous plaît vraiment. Donc on a ça, on a bien plus de choix. Voilà donc New York sous la pluie, on a relaxation dans un jardin, etc., etc. Donc c'est à vous de voir après. C'est à vous de faire votre choix. Donc voilà, donc je voulais absolument faire partager ça et j'espère que ça vous sera utile. Voilà, au revoir.